Ah! Vois-tu la station là? Eh Seigneur! 95! 80. Oups! Ah, j'ai tourné le téléphone trop vite. Ah, je voulais montrer. Ça, c'est ma station météo. On vient de pogner 95, là. Je l'ai manqué. Ça a monté à 95 km/h. Non, à Montréal, il n'y aura pas des vents de même. Montréal-Laval, là, c'est des vents de. Des vents de 60 km/h. C'est vraiment localisé dans les Richelieu. C'est souvent comme ça quand que les. Quand il y a des vents du sud, là. Oh, 72. Ah, Daniel, tu viens de passer. C'était-tu le truck rouge? Bon, on va attendre là, que. On va attendre que le 95 revienne. Ouais, ben c'est ça, là. En même temps, là, aujourd'hui, c'est les vents. Demain, c'est la pluie. Ensuite, ça va être la neige. Donc, comme j'avais dit à matin, on va avoir 66, 72, avoir un petit 64, avoir un petit 95 encore là, pour que vous le montrez pas, pour que vous le montrez. 61. Je sais pas si vous attendez, là, le char il shake. Donc, s'il y a des camionneurs qui m'écoutent en ce moment, là, faites attention si vous êtes vide dans le coin de Saint-Hilaire. Là, ça risque de shaker un petit peu. Oh! 82. On a 82 km. Ça va être plus, 66. Là, le record, là, faut battre 95. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien sur le radar. Il n'y a pas de précipitation. La pluie est encore. Elle est encore loin. Là, c'est vraiment juste les vents. Là, attends une minute, là, ça va. 74. 66. 95, là, ça commence à être. Commence à être bon. Hein. Je viens de passer à côté de toi. 64. La station est droite en haut là. Raphaël, pas mal toute la journée, Sainte-Catherine. Ah ouais, monte ça, monte ça. Capable de 64, 71, 74, 76, 77, ah ouais, monte, monte, monte. 'est quoi ça, toute Moscou de Bas-Saint-Laurent? Je sais pas trop, j'ai pas trop checké là. Les vents les plus forts là, c'était vraiment dans la vallée du Richelieu. Justement à cause du vent du sud. Le vent du sud avec la chaleur, c'est ça qui fait que le mercure il monte. Tout le long de la 401. Mathieu qui est là.
On va ressortir dehors. Sainte-Julie vent fort aussi. 56. Ça, le NAM, là, il montrait des rafales de vent là, possibles jusqu'à 90-100 km/h. Donc c'est pas, ça sera pas surprenant si on atteint ça doit être bon, 87. Ah, c'est quoi ça? On a atteint qu'à 87. Fiez-vous pas à l'heure de la station météo, là, l'heure est pas bonne, là, c'est parce que la station elle est frette, fait que quand que j'éteins le véhicule, elle s'éteint aussi. Puis j'arrange pas l'heure à chaque fois que je l'utilise. Ça va être bon. 85, 90, 90 km/h. Ouais, ben c'est là que je suis, là. Grande Allée, Saint-Hilaire. Ouais, probablement, mais vu que je roule avec le véhicule, là, je pense pas que. Ben c'est pas grave, je sais en tête là. Je suis pas un menteur là, je mettrais pas des. Mais il y a vraiment eu 95 tantôt. Hop, on me klaxonne. Donc, on va aller refaire un autre tour dehors. Êtes-vous prêt? On va aller se faire aller un petit peu. Je suis prêt à ouvrir la porte. Et ça veut tout dire. Oh, ça va être bon. Ça va être bon. 82. 72, 55. Bon, on va retourner dehors. Êtes-vous prêts tout le monde? On retourne dehors. Yes, on va essayer.
jamais vu ça, moi, des téléphones. Annulé. Bon, tout le monde, je suis de retour. C'est le fun, Facebook. Facebook, là, aussitôt que le téléphone bouge un peu, là, ben la caméra, le live, il vire de bord, puis c'est fini. Fait que là, c'est ça. Bon, on continue, qu'est-ce qu'on disait? Km/h. On est perdu, Mathieu, tantôt. Il doit y avoir des vents comme moi. Ah, c'est sûr, là, mon Washington, en ce moment, là, il doit avoir des vents là, de 200 km et plus. Ben, juste en haut, là, dans le Mont-Saint-Hilaire, ça doit être quand même... Ça doit vanter assez pas pire. Le mercure, il remonte tranquillement. Là, on est rendu à 2,8. Tantôt, on était à 2,6. Tout le monde me klaxonne. Yeah.
Les vents étaient prévus jusqu'à quand? Les vents sont prévus à peu près jusqu'à 20h, 21h. Que les vents de 90 km/h qui sont prévus. Là. Mais 74, 80. Dans le fond, là, pour ceux aussi, là, vent violent égale panne d'électricité. Fait que. Donc, préparez-vous à les pannes d'électricité, là, c'est sûr qu'il va en avoir un peu partout. Saint-Hilaire en rafale. Ouais, Simon, mais moi, je suis proche de l'autoroute 20, là, j'ai des rafales à 95 km/h. Dans le couloir là, des vents, là, à côté du vignoble. Là. Oh, ça va être bon. 77, 84. 87. On vient d'avoir 87, 60. Et je me fais shaker les fesses. Oh, ça va être bon. Ça fait semblasser le char aussi, là, la roche en revole sur le char là, à cause du vent. L'anneau d'hier, c'est beaucoup moins venteux là, que ça arrive sud. Là. Dans le fond, là, l'endroit où il y a les vents là, les plus forts, là. Le point bleu, c'est moi. Là. C'est tout ici. Là. Ici, les vents, là. À partir de la colle, en s'en allant vers Saint-Hyacinthe, la vallée du Richelieu, à peu près jusqu'à Sorel. C'est vraiment le couloir en ce moment que les vents les plus forts. Les autres régions, c'est du vent 60 km/h. C'est rien de trop violent comme qu'on a ici présentement là, dans le sud du Québec. En ce moment, là, c'est ça la vue que j'ai. Donc, vous voyez, là, dans le fond, là, ici, le couloir, là, ici, vers là-bas, là, le vent est un petit peu moins fort. Mais ici, là, il y a drette à côté du vignoble, là, on est dans le couloir. Jusqu'à Grand Allée, là, à Saint-Hilaire, là. Ça, c'est le couloir, là, que les vents les plus forts. C'est ici que. Souvent, il y a des vannes qui virent sur le côté quand il y a des vents violents. Là, comme là, c'est pas si pire. Si on serait à du 100 km/h et plus, là, il y aurait possiblement des vannes sur le côté. Mais encore là, la plupart des camionneurs, là, quand ils annoncent des vents violents de même, puis qu'ils sont vides, ben, soit qu'ils vont arrêter ou qu'ils vont attendre que les vents baissent d'intensité. Là. 77. Ouais, Sainte-Madeleine aussi. Dans le fond, là, le couloir là, des vents les plus forts, là, c'est à partir du Richelieu jusqu'à Saint-Hyacinthe. Tantôt, l'arrivée de 53 bus se prenait ses cafés. Ouais, ben c'est ça, là. Pas les Tristan à Pierreville. Bon, pour ceux qui joignent à moi, on va aller faire un autre petit tour dehors. J'étais dehors tantôt. Je sais pas si c'est la même gang qui est en direct, là. Je suis reparti de direct parce que là, les vents ont shaké mon téléphone. Puis en shakant le téléphone, ils ont comme fait la procédure de Facebook. Là, quand tu shakes ton téléphone, tu peux rapporter un problème. Fait que là, en même temps, ben, ça vire le live du mauvais bord.
Donc, c'est vraiment le fun parce que t'as la tête sur le côté. Fait que, on va aller faire un autre petit tour dehors. Et Seigneur, je vais assigner. Je voudrais, j'ai de la misère à ouvrir la porte tellement qu'il vente fort. Et Seigneur, ok, on va attendre, je suis pas capable. Et je pourrais pas ouvrir la porte. On va attendre que la rafale elle se termine. Seigneur. Ah ouais, une petite rafale moins forte. Tabarouette. Ouais, je suis juste encore tourné. Ah! Ah ouais, il se peut de faire chaud. Rafale 120 ici, mon Yamaska. Putain, il fait 2,8 degrés, mais on a encore un point de rosée à moins 4. Donc, demain, ça va être de la différence. Demain, le point de rosée va être, ben, à partir de cette nuit, là, le point de rosée va remonter. Fait que demain, il devrait faire 8 degrés. Ça se peut que près de la frontière, là, ça monte peut-être jusqu'à 10-12 degrés. Là, ça va être à surveiller. Si tu veux voir des beaux rangs demain qui fait pas beau, tu vas sortir de route le chemin Salaberry. Ouais. Ouais, je sais où. Je me mets là des fois, là. À partir de 20h pour Montréal. Ouais, mais je sais pas. Moi, je voyais plus là, la pluie, là, peut-être en fin de nuit. Mais je vais checker le modèle tout de suite. Je vais checker ça tout de suite, là, vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Pour la neige, là, il n'y a pas de changement, là, c'est... On devrait avoir toujours le 10 à 15... Le 10 à 15... Le 10 à 20 cm de neige possible pour... Damn, je me fais shaker combien de 68, 69, 56... Je vais vous dire ça...
sont-ils déjà sortis, ça? Ah ouais, ils sont déjà sortis. Attends, la vache. Non, pas ça, jeu. Celui-là. Ce sera pas long, je vais vous dire ça. J'étais en train de regarder les cartes. Pour savoir l'appui, à quelle heure que ça commencerait. Ah, peut-être vers minuit. Mais à date, là, quand j'arrête le modèle, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment demain, là, vers 11, ça fait 10, 9, 8, 8. À partir de 7h demain matin, là, on va être dans le déluge. Ça va être de la grosse pluie. Ouais, de la grosse, grosse pluie. Après ça, il y a les orages qui passent. Ah, il y a des bandes très fortes qui vont passer demain. Demain soir. C'est peut-être ça qui va faire notre forte accumulation de neige. Pourquoi ça va ça? On était à 77 km, 58 et seigneur, 90, et voilà. 88. 80. Bon, ben. On est dans les vents, puis là, les avertissements de neige sortent partout. Là. Bon, selon les modèles. Ok, ça c'est demain 2h. 5h. 6h. Et 8h. La neige, là, ça serait demain vers 8h. La neige forte, là, ça serait vers minuit. C'est vraiment à surveiller. Pour Saint-Côme, s'il vous plaît. Ben pour les vents, là, c'est vraiment la vallée du Richelieu qui vente là, très fort en ce moment. Pour les autres régions, demain, c'est la pluie et la chaleur qui remonte. Ensuite, demain soir, là, le mercure va chuter puis le système ne nous aura pas quitté encore. Donc, toutes les précipitations vont changer en neige. Puis ben, c'est là que ça va être à surveiller, voir là, est-ce qu'on va avoir vraiment beaucoup de neige ou ça va, le changement va être beaucoup trop long puis que ça va tomber en pluie ou en neige mouillée, puis ça va être plus difficile là. Mais c'est sûr que demain soir ça risque d'être une patinoire parce que là on va avoir reçu 15 à 20 mm de pluie qui va geler demain soir avec la neige. Ça, c'est pas pelletable, là. C'est de la cochonnerie. Hein. 77, 72.